Médine est la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque, le président Macky Sall. Après avoir effectué la Umrah à la Mecque, s'est rendu à Médine, ville du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au Médinatul Rasoul Allah. C'est dans cette ville où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a posé le pied et construit sa première mosquée que le président Macky Sall, son épouse la première dame Mariam Sall et sa délégation se sont rendus. Al-Majid al-Nabawi, également connu sous le nom de mosquée du prophète, abrite son tombeau. Le président Macky Sall a effectué une visite pieuse, ziyara, au prophète qui se trouve sous le dôme vert, près de ceux de ses compagnons, Abou Bakr et Omar ibn Boun Khattab. Auparavant, le chef de l'État et sa délégation ont effectué la prière du soir Maghrib et celle de la nuit Isa à la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les musulmans affluent dans cette mosquée afin de rendre visite au noble prophète et messager de Dieu. Le chef de l'État, qui a pour mission de rendre prospère le Sénégal, a prié à la fin de son acte de dévotion pour la paix et la concorde, mais également pour un Sénégal émergent. Je suis venu en Arabie Saoudite pour présenter mes condoléances au roi Salman Ben Abdelaziz à la suite de la disparition du serviteur de deux saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz. Et j'en ai profité pour effectuer une Umrah à la Mecque, ici à Médinatul Munawwar, prier pour le Sénégal, prier pour la nation tout entière. Cette ville qu'Allah a choisie pour être le lieu d'émigration de son prophète, paix et salut sur lui, et le lieu de départ pour la propagation de la religion musulmane.